Par rapport à l'historique du projet du café, en fait, avant ici, il y avait un bar. Et lorsque la patronne a voulu vendre, ce bar a failli se transformer en fait en agence immobilière. Alors, les habitants du coin se sont vraiment liés en essayant de trouver un projet pour sauver le café. Et de ce fait-là, des dizaines d'habitants se sont réunis plusieurs fois et ont travaillé avec une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle pour le Logement. Et voilà, ils ont réussi à acheter le café et à sauver le café de Cerny. L'ouverture du café, ça a été un petit peu quelque chose d'assez heureux. Il y avait une force pour démarrer. Il y a plus de 2 ans, lorsque le projet s'est monté, il faut savoir que les gens souhaitaient adhérer au café alors que la sauce n'était pas encore montée. Donc ils nous donnaient des chèques alors qu'on n'avait pas encore créé vraiment la structure. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une bonne idée. Je connais bien les gens, enfin les gens, en plus les trois quarts, je les connais, quoi. Donc vous étiez là au début du projet? Ah, je suis presque, j'ai inscrit presque, peut-être pas l'ouverture, mais un peu plus tard. Cerny est une commune d'Île-de-France, du sud de l'Essonne. C'est une commune rurale. Donc c'est vrai que ce projet, c'était très ambitieux parce qu'il y a très peu de commerce dans la commune. Mais notre chance, c'est qu'on a eu des bénévoles tout de suite partants. Et c'est ça qui fait vraiment vivre le lieu actuellement. Auguste Fischer, alors vous ne vous rappellerez pas de tout, ça je sais très bien, un pharmacien allemand, mais au moins au point une colle synthétique. Ils l'ont appelé UU, et en allemand, UU, ça veut dire le grand hibou. Alors je suis un ancien professeur de français, et maintenant je donne des cours d'aide-mémoire dans des communes environnantes. J'ai commencé ici par donner des cours bénévolement, puis ensuite au chapeau. Et ensuite, ils ont réussi à avoir des subsides parce que c'est mon métier malgré tout. Et donc, je suis employée et je donne des cours une fois par mois. Il y a vraiment un climat de convivialité. Et ici, j'ai l'impression d'apporter quelque chose beaucoup plus qu'ailleurs. Ce qu'on voit maintenant, c'est depuis quelque temps venir des gens qui ne viennent pas n'importe où, qui ont besoin de relations sociales, qui ont besoin, qui n'arrivent pas forcément à parler, qui n'arrivent pas forcément, et qui viennent boire un coup, ils ne parlent pas, petit à petit, s'y mettent. Dans le genre de structure, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Chacun apporte ce qu'il a apporté, avec ses savoir-faire, ses idées, et prend ce qu'il a envie de prendre. Moi, je sais que ça a complètement changé ma vie, parce que je vis toujours dans un village pas très loin d'ici. J'étais quand même assez isolée et bon, mon fils était encore petit, je l'élevais toute seule. Et là, maintenant qu'il est grand, j'avais plus de temps et plus d'envie de sortir, de faire des choses. Et ça m'a permis de reconstruire complètement un univers social que j'avais perdu. Ça a beaucoup servi à ça, à faire des fêtes aussi. Ensuite, j'avais bien réfléchi à une entrée comme un merci, pleine de glamour, de robe, de sexe. Tout avait point. Donc, on va y aller. Hein? Là, on va commencer notre première balade contée au Petit Cerny. On va pouvoir écouter des contes. 7 conteurs qui sont bénévoles la plupart, certains professionnels aussi qui ont souhaité nous rejoindre dans cette aventure pour créer un moment de convivialité, de plaisir. L'idée en fait au café, c'est les gens qui viennent à nous pour proposer des activités. Dominique est un habitant de Cerny qui est proche du petit café, qui nous prête son lavoir séchoir, adhérent au Petit Cerny. Et donc il nous prête, la grande gentillesse de nous prêter son merveilleux lavoir séchoir. Il y a 3 mâles et 2 femelles. Là, le rameur attend la question suivante et rien ne vient. Puis les gens en grande tenue et alors
Et lui s'est approché et il y avait une jeune femme aux cheveux noirs et bouclés qui lui a dit, assis devant la cheminée, qui lui a dit « Entre donc, Brian !» Bonjour messieurs, dames. Vous aviez besoin de boire un café peut-être? Vous êtes du coin? Non, pas du coin, on est de Paris. D'accord. En majorité, 90% de nos adhérents sont soit de Cerny, soit vraiment 10 km autour de Cerny. Je sais qu'il y a des gens qui fréquentent le café, qui ont envie vraiment de créer des projets, de potager pour nourrir les écoles, etc. Donc ça, en tout cas, le café y participe. Pourquoi? Bah parce que déjà, certains de nos adhérents sont dans ce fil-là. Et pourquoi? Parce que c'est un lieu où les gens viennent parler de ça ici. En fait, ils se retrouvent ici. Donc oui, finalement, de ce fait-là, on est lié à d'autres projets que vraiment les activités du café.